Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien. Petite vidéo sur des Bordeaux Licofa. Moi, je sais plus quoi vous dire. Hein. Voilà, ce qui est bizarre, vous aimez croire plus la rumeur que la vérité. Donc, je vais tant bien que mal essayer de venir encore démentir encore cette énième rumeur sur Latisse. Vous savez, depuis son silence, beaucoup de rumeurs se sont multipliées. Si c'est pas qu'il tente de se suicider. Il est soit aux urgences à l'hôpital. Et comme ça ne suffisait pas, et comme on dit, comme ces gens de rumeurs là, pour ne pas dire comme ces rumeurs n'ont pas pris, maintenant, il raconte que Latisse Dibordo est malade. Et ça a pris tout Abidjan, pour ne pas dire tout le pays. Parce que moi-même, j'en paye les frais. Parce que chaque fois qu'on m'interpelle dans la rue, ou soit par appel ou par message, comment va Dibordo, comment va Dibordo? Est-il malade? Quand je réponds non, on me dit quoi? Mais sur les réseaux sociaux, ça raconte partout qu'il est malade, qu'il est gravement malade. Donc je fais cette vidéo-là pour vous rassurer. On se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède à des virements. Voilà les amis, bon retour. Alors, donc si je comprends bien, en Côte d'Ivoire ici, quand un artiste est choqué, meurtri, attristé par la disparition de son ami à lui, avec qui il a partagé beaucoup de souvenirs, quand vous ne le voyez pas faire des posts ou vous ne le voyez pas faire quelconque hommage à ce dernier-là, c'est qu'il est soit à la pisse âme, soit il est en train de déprimer, soit il est en train de devenir fou, et puis soit il est gravement malade. C'est ça. Parce que simplement, il ne fait pas de posts, il ne fait pas de vidéos et tout ça. Le mec vit son deuil. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si vous vous prenez un jour pour vivre votre deuil, lui, s'il a besoin de 10 ans pour vivre son deuil, il vit son deuil. Ouais, chacun sait à quelle mesure, à quelle hauteur il était proche de Didier Arafat, mais il aimait Didier Arafat. Donc il faut arrêter ça maintenant. Qu'est-ce que vous gagnez à propager ce genre de rumeurs là, même si c'est l'artiste là? Parce que même Didier Arafat, feu Didier Arafat là, vous avez raconté ici qu'il a fait des accidents, il est mort, soit il n'est pas mort, jusqu'à le pire arrivé. C'est ce que vous faites sur des bandeaux de Koufa. Enlevez vos yeux sur ce dernier là. Dieu nous a appelé Didier Arafat. Laissez Dibordo va durer avec nous ici. On vous demande pardon. Chers Mayans, chers Légionnaires, chers fans du coupé décalé, à tous les showbiz ivoiriens, Dibordo Licofa n'est pas du tout malade. Il va très bien. Voilà, il va très bien. Parce que ce que vous ne savez pas, vous vous attendez à un poste de Latisse ou bien à une vidéo directe de Latisse. Même s'il le fait, ces rumeurs vont toujours continuer. Donc si nous venons vous rassurer pour vous dire que Latisse va bien, c'est qu'il va bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Arrêtez de croire à ces fausses rumeurs-là. Une rumeur, même c'est une rumeur, il y a ces fausses rumeurs-là. Arrêtez de croire à ces bobards-là. Parce que le mec, il est dans son coin, il ne fait pas les vidéos, il ne fait. Donc, il est malade. Ou bien il est devenu fou. Ou bien il est devenu. Ah, quand même, faut arrêter. Et puis, ce qui est sidérant dans l'histoire, c'est quand tu essaies tant bien que mal pour rassurer certains de ses fans. Et puis ces fans-là ont tellement cru à la bêtise qui est propagée sur les réseaux sociaux. Tu offusques, tu es étonné en fait. Tu dis, mais bon, qu'est-ce que tu vas dire pour dire à celui qui est en face de toi, bien à celle qui est en face de toi, là, que Dibordo va bien. Donc comme vous ne le voyez pas, c'est qu'il est gravement malade. Mais dites qu'il est mort, c'est mieux. Là, au moins, ce qu'il va venir commencer à chanter, vous aurez honte. Le mec, cette fin d'année-là, il a fait pour sortir 4 sons. 4. Et il y a eu cette mauvaise nouvelle-là, il est mélangé, il ne sait même pas où mettre la tête. Il est en train de réfléchir à comment même trouver la force pour revenir au devant de la scène. Vous êtes en train de lui envoyer de mauvaises ondes seulement. Il faut arrêter un peu. Mais vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous savez, Mix, Safarel, Arel Chiné, Clay Baye et consorts, si vous les voyez faire des vidéos, ça va parce qu'ils n'ont pas mal. Mais c'est leur manière à eux aussi de continuer à vivre. Mais si Dibordo lui a décidé de rester silencieux pendant un bon moment. En quoi est-ce que ça vous dérange? C'est ce qui va vous obliger à rencontrer, à donner cette fausse information là sur sa personne? Quand même. Quand même. Et ce qui est pathétique dans l'histoire, quand il va faire sortir un nouveau son, vous allez vous cacher pour danser dessus. Comme si vous n'avez pas participé, a dit qu'il était malade, a dit qu'il déprimait, a dit qu'il était à l'hôpital. Souvent quand même, avec certaines limites. Donc si moi je comprends bien, moi il est venu faire toujours vidéo pour me justifier, quoi. Il revient plus sur ça encore. Aux fans de Dibordo, très intelligents, très sages et compréhensifs, je vous dis et vous rassure,
Débordeau n'est pas malade. Cet esprit de maladie, on veut mettre celui-là. Enlevez ça de votre tête. Votre artiste, il va très bien. Au moment opportun, il sortira comme si rien ne s'était passé. Mais pour l'instant, là, il n'a pas encore la force. Donc respectez ça. Et ne croyez pas à ces bêtises-là. Quand même, ça commence à m'énerver, quand même. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous gagnez? Juste des likes? Juste des likes? À cause de juste des likes? Ou bien des vues? Débordeau n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il n'est même pas malade. Il va très bien. Quand il sera content, il va sortir. Mais à chacun son deuil. À chacun son deuil. Si vous avez bien remarqué, depuis que Didier Arafat est décédé, moi j'ai eu la force de faire certaines vidéos de sensibilisation, de contradiction, de démenti et tout ça, de mobilisation. Mais il y a certains confrères qui n'ont pas eu la force de faire ça. Ça ne veut pas qu'ils ne compatissaient pas, ça ne veut pas qu'ils avaient pas mal. Donc comprenez ça un peu. Respectez cela. Respectez ça un peu seulement. Ou bien vous ne voulez pas que Dissal arrive. Vous ne voulez pas, comment dire, Atalakou de Mélodie, oui, Atalakou de Mélodie, j'ai oublié les titres de ces quatre sons qui devaient sortir. Là. Le gars, il y a beaucoup de projets comme ça. Cette mauvaise nouvelle est venue tout gâcher. Il n'a même pas la tête, il a tout épuré ça, et puis il a tout retrouvé. Comment même, vous allez venir. Vous pensez que ces quatre sons qu'il a fait, il voulait faire ça, c'est ça qu'on est son concurrent musical, son frère à lui, Didier Arafat. Vous pensez que la vie, c'est facile, quoi. Vous pensez que le show, c'est facile. Vous savez, moi, ce qui me fait mal, là, c'est le fait que Didier Arafat soit mort. Et puis, les choses sont comme si il n'avait jamais existé, quoi. En réalité, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait mal, en fait. Parce que normalement, les gens comme Didier Arafat, là, quand il meurt, là, le monde doit s'arrêter un peu. Juste une façon de parler, en fait. Mais vous voyez un peu, non? Mais c'est des gens, Didier Arafat est mort, mais bon, Débordeau, il faut sortir, il faut commencer à chanter et tout ça. Il va chanter, mais mon ami, la douleur qu'il ressent là, peut-être que tu ne ressens pas la même douleur aussi. Donc, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. C'est à cause de Didier Arafat, il était aussi déterminé qu'il avait envie de chanter. Mais quand Didier Arafat a fait 4 sons, il réfléchit à faire sortir un seul son qui pourra peut-être concurrencer les 4 sons de Didier Arafat. Maintenant, le gars n'est plus là. Il a quel challenge. Il a fait ce poste avant de regarder dans son silence. Il a dit, mais il va faire concurrence avec qui encore? Il va se bagarrer avec qui? Il va faire ses clashs avec qui? La douleur est profonde, les amis. Mettez-vous un peu à sa place. Vous pensez que c'est trop facile, quoi? Débordeau est malade. Débordeau est gravement malade. Débordeau n'est pas malade. Il va très bien. Il va superbement bien. Mais vous souhaitez qu'il fasse un accident aussi. Vous souhaitez qu'il meure aussi. Il faut arrêter ça. Comme Kedjevara, DJ nous a dit, aimons-nous vivants. C'est très important. Aimons-nous vivants. Parce que même celui que vous détestez aujourd'hui, demain si le pire lui arrive là, vous allez vous sentir mal. Vous n'avez pas vu le cas de Didier Arafat. Didier Arafat, au regard de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, en commentaires, en vidéo et tout ça, on pensait qu'il était détesté par tout le monde entier. Mais c'est quand il est mort, on a vu qu'au fond, tout le monde l'aimait. Il n'était même pas détesté. Il avait beaucoup, beaucoup de fans. Il y avait beaucoup de personnes qui l'admiraient. Aujourd'hui, vous n'avez même plus la force de pardonner. Vous n'avez même plus la force de passer à autre chose. Que non, vous avez trop mal. On comprend vos douleurs, on comprend tout ce que vous ressentez. Mais souvent, là, ayez un peu de force pour laisser tout tomber. Il faut aimer vos artistes. Il faut les chérir. Il faut les soutenir. Que ce soit dans leurs concerts, en achetant les albums, il faut vraiment les soutenir. C'est pas qu'ils vont mourir. Ils vont dire que non, lui là, on l'aimait. Déjà, c'est comme ça, il chantait bien. C'est comme ça, il avait bon cœur. Hein. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est de les vivants là. Il faut leur apporter de l'amour. C'est pas en disant que Débordeau est malade, Débordeau est hospitalisé là, que tu manifestes ton amour pour l'artiste. Je suis désolé. Il faut que ça cesse à un moment donné. Et je vous en supplie aussi, chers internautes. Apprenez aussi à croire à la vérité et non aux rumeurs. C'est très important. Mais c'est vous aussi qui animez ça. C'est vous aussi qui entraînez ce genre de rumeurs-là. Parce que vous y croyez jusqu'à vous poser la question à savoir. On va vous répondre, vous allez reposer encore la question pour savoir. Pour être bien sûr. Même quand vous répondez, vous n'êtes pas bien sûr. Donc vous posez la question pourquoi? Il faut prier pour vos artistes qui sont vivants actuellement et celui qui nous a laissés là. Il faut prier pour eux. Au lieu de rester là à dire que lui là il est malade, lui là il est comme ça, lui là il est ceci là. C'est pas de ça qu'on a besoin. En tout cas, Débordeau, dans sa position où il est actuellement là, il souffre tellement qu'il n'a pas besoin de ça. Il a seulement besoin de réconfort, de soutien, de manifester vraiment notre amour de fan, notre amour d'admirateur. Oui, c'était Didier Arafat. Hein? Vous ne pouvez pas dire hier, c'était Didier Arafat. Demain, ça sera qui? Vous souhaitez que nos artistes nous quittent aussi Toto? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous désirez? Il faut se ressaisir. Il faut vraiment se ressaisir. Arrêtez de propager de fausses rumeurs, de mauvaises informations, de mauvaises informations, de mauvaises nouvelles sur nos artistes. Ce n'est pas intéressant.
C'est pas catholique. C'est vraiment, vraiment pas catholique. Il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. Debordeaux n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc j'espère que, chef fan de Debordeaux, chef fan de Didier Arafat, en tout cas, chef fan du Copilé, j'espère que vous avez compris. Debordeaux va très bien. Au bon moment opportun, il sortira pour vous rassurer. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement cette vidéo-là. Merci.